Si Sex and Sam. Ah, je me fais attaquer par les palmiers géants. Mais on est ici au Hara, non pas sous les palmiers, sous les tropiques, mais au Hara, dans le Calvados, au Hara de Montgoubert, en plein cœur du Pays d'Auge, à Beuvron, en Auge, très précisément, pour voir les deux nouveaux étalons du Grosso, qu'on va interviewer dans un instant. Triple Treat et Morandi. Morandi va sortir, le gris va sortir dans un instant. Bonjour Hugues. Morandi va sortir dans un instant, on va le voir très vite. Pourquoi avoir importé ces deux nouveaux étalons, on rappelle, pour 2017? Eh bien, tout simplement, puisque tant M. Jean-Pierre Dubois que M. Louis Baudron souhaitaient donc accueillir un nouvel étalon. Mmh. Sageburg ayant été vendu en Irlande, Jean-Pierre en particulier souhaitait donc retrouver un fils, et en particulier Monsoon, parce que c'est un son qui est très attaché. Il s'est trouvé que ce cheval donc, est arrivé sur le marché, donc terminant donc, sa carrière de course aux États-Unis. Le pedigree plaisait beaucoup, pour l'obstacle en particulier. Et voilà la raison pour laquelle on l'a donc acheté aux États-Unis et importé pour qu'il puisse faire la monte en Normandie. Donc là, on parlait bien de Triple Treat, le fils de Monsoon. Et voici devant vous Morandi, le fils d'Oliroman Empereur. Deux profils différents. Alors oui, différents, deux profils différents de comment dirais-je, d'allure, de morphologie, de type. Morandi, comme chacun le sait, était excellent à 2 ans, cheval très précoce, qui a un pédigré rigoureusement. Fait pour apporter de la précocité et c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on espère donc obtenir comme résultat au Hara, donc ça doit plaire aux éleveurs. Morandi a été acheté lui un peu différemment pour booster l'activité donc, qui est celle du Hara du Montgoubert maintenant au niveau donc, des purs sang. Il sera également soutenu par Louis Baudron et Jean-Pierre Dubois puisque nous avons acheté les deux dans rigoureusement les mêmes conditions. Et vous-même aussi, vous avez plusieurs, combien de juments? Alors, pour ma part, moi j'ai une quinzaine de juments pur sang, mais c'est vrai que mon activité principale est celle des trotteurs, comme chacun sait. Donc, écoutez, oui, que ce soit les écuries du bois réunies et la mienne, très modestement, soutiendront ces étalons, évidemment. Des deux nouveaux étalons qui seront soutenus, Morandi, voilà, qui pose encore une fois. Merci Hugues, et venez avec moi, vous êtes les bienvenus au Hara du Montgoubert. Même hors route des étalons d'ailleurs, hein, pour voir les nouveaux étalons. Il y a tous ces box ici, ce sont les box pour les étalons trotteurs. Il y a Copec, Moldu Cortage, j'ai vu également. Alors, il y a tout ce qu'il faut ici à Montgoubert. Des fruits de mer, des huîtres, du poisson, du saucivar, des fruits, mais bon ça on va pas y toucher. Du bon fromage du Pays d'Auge, cornichons, vin blanc, vin rouge et quelques viennoiseries bien sûr. À très vite pour une nouvelle étape de la route des étalons 2017, toujours avec notre partenaire DGS Bloodstock, David Sherlock, un transporteur anglais qui transporte vos juments françaises en Angleterre et en Irlande.